Et encore un décès d'un ancien pilote de F1, Philippe Streiff. Il n'aura pas passé 2022, le pauvre. Terrible. Il comptait 53 départs en Grand Prix entre 84 et 88. Il était tétraplégique suite à un accident aux essais privés du Brésil. Il est mort à l'âge de 67 ans. Champion de France de Formule 3 en 1981. Le natif de l'Isère évolue en Formule 2 les 3 années suivantes avant de sauter dans le grand bain de la Formule 1 lors du dernier Grand Prix de la saison 1984 sous les couleurs de l'écurie officielle Renault. En 1985, Philippe Streiff effectuait à nouveau quelques piges, toujours en fin de saison, pour les équipes Ligier et Tyrrell, avec une belle troisième place avec Ligier lors de la finale en Australie, qui restera son meilleur résultat en F1. C'est toutefois au sein de l'équipe Tyrrell qui allait évoluer à temps plein en 86 et 87, signant notamment une quatrième place à Hockenheim. Cette dernière année, en 88, Streiff décide d'embarquer à bord d'un projet 100% français avec l'équipe AGS. Une saison toutefois difficile, marquée par de nombreux abandons. Cette équipe était nulle, hein, clairement, hein, l'une des pires de la Formule 1. C'est en préparant la saison 89, toujours avec AGS, qu'il était victime d'un grave accident lors d'un essai privé sur le circuit de Jaraguá au Brésil, un accident qui le laissait tétraplégique et le contraignait à stopper son activité de pilote. Ah, terrible. Il n'aurait jamais dû s'associer à AGS, en fait, ça lui a ruiné sa vie. C'est terrible de dire ça, mais c'est la vérité, quoi. Malgré son handicap, Philippe Streiff est resté actif dans le sport auto. Il fut l'instigateur des fameux Masters of Karting de Bercy, qui réunissait les meilleurs pilotes de F1, les jeunes talents volants de karting entre 1993 et 2001. A noter que l'édition 2000 fut remportée par un tout jeune espoir prometteur de 15 ans, un certain Lewis Hamilton. Tiens donc, j'ai déjà entendu ce nom-là, quelque part. Philippe Streiff est décédé ce vendredi 23 décembre, à l'âge de 67 ans, quelques semaines seulement après la mort de Patrick Tambay, qui fut son équipier chez Renault en 1985. Bon ben voilà. Terrible nouvelle. Les condoléances pour la famille, évidemment. Repose en paix, Philippe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.